font la licence A sur le Nordschleife. Là, pas d'objectif de résultat. Plus important va être de minimiser les incidents, aller chercher cette licence A qui va être importante pour débloquer de nouvelles séries. On va aller se batailler pour faire ça. Regarder un peu comment ça tourne aussi chez les autres. Donc pour l'instant pas de résultat. Ah bon, y a clairement pas de rythme, hein. C'est vraiment juste chercher la licence. Faire quelques tours de piste tout de même avant de partir. Allez, c'est parti. Elle glisse pas mal la piste, même si c'est chaude. Ça peut être simple pour tout le monde, à mon avis. Il risque d'y avoir du drama. Je le répète, hein, l'objectif, aller chercher la licence A l'issue de cette semaine. Ouais, déjà j'ai pris un off-track ici, donc je sais que je ne peux pas aller mordre. Et là on rentre donc sur une tick Nordschleife. Quand même un circuit très très technique, hein. Pour être rapide là-dessus, faut vraiment bien le connaître, mais avec le nombre de virages qu'on peut y avoir, c'est pas un circuit facile. Puis là, toutes les bosses, c'est impressionnant.
Ouais, même en liftant ici. Elle tient pas. Oula, on doit être. Ouais, bah ouais, je me doute que j'ai des dégâts sur l'eau. Dans une situation assez particulière là pour le coup. Hop, on va regarder ça tout de suite. Là. Ouf! Oh oui, en effet. Pas bien là. Pas très très bien du tout là. Non, c'était pas cet angle de vue que je voulais. Hop. Trouver une vue qui passe bien. Ouais, ici on verra un peu mieux. Ouf! Oh oui. Oh oui, on est clairement venu sans palais. Ouais, ouf, on a tout cassé. Ouais, donc voilà, hein, il y a quand même. Faut quand même faire attention pour éviter de. D'avoir autant de sorties de piste, parce que le but, voilà, c'est la licence A, donc éviter les sorties de piste, prendre 0x. Avec le nombre de virages, on devrait pouvoir augmenter de SR très rapidement. Éviter les accidents aussi, donc c'est-à-dire. Malgré qu'on va partir des stands, éviter le grabuge. On ira quand même faire le tour de Calif hein, pour continuer de reconnaître le circuit. C'est un circuit très très long. Et connaître tous les virages, c'est compliqué. Voilà, déjà ici, on a freiné trop tard. Ah ouais, très difficile quand même. Très... Oh la piste est vraiment très chaude. Petit coup de frein hein, direct on la perd. Pas simple du tout. Ça va être compliqué. Très compliqué. Je me demande réellement hein, comment font les wheelheads parce que ouf là où je suis un track, on faut pas vraiment beaucoup. Ouais, les wheelheads sur ce circuit là je ne sais vraiment pas comment ils font, c'est impressionnant. Le circuit est vraiment très difficile et puis reconnaître tous les virages. Bravo. Bon, ça reste du travail mais vraiment très difficile. J'ai peur qu'elle décroche avec toutes les bosses qu'on a sur cette piste. Ça change beaucoup de Francorchamps quand même. Francorchamps était vraiment. La voiture était coulée, était sur des rails. Bon, on l'a perdu quelques fois quand même la semaine dernière, mais c'est plus dû à des erreurs de pilotage que des problèmes de voiture ou de setup. Celui-là, je pense qu'elle est aussi sur des rails, mais. Ouais. Pas très très à l'aise sur la piste. Ohlalala, ça a tout changé de couleur hein. C'est vachement sombre maintenant. Si on fait la course dans ces conditions ça va être je vais repasser le passage où on a empalé la voiture tout à l'heure parce que ça me gêne un peu de pas savoir reprendre cet enchaînement.
Il est quand même magnifique ce circuit, mine de rien. Même s'il est très très compliqué, ça reste un des plus beaux circuits du monde. Voilà, on va rejoindre la course. Puis on va éviter au maximum les incidents pour obtenir cette licence 1. On est actuellement à 3.0. Il faudra aller la chercher. Allez, donc c'est parti, hein. Il n'y a pas de
pas de qualif visiblement, on est que sur un warm-up. 7 minutes de practice. Ouais, il va me rester une minute hein, pour travailler, on va sortir à peine du premier secteur, du deuxième secteur. Ouais. Déjà un drapeau jaune, mais visiblement personne. Ah si, un drapeau jaune plus loin. Ouais, c'est juste rangé sur le côté. Un deuxième juste en face. Il y a toujours la piste à 26. Hein. Piste vraiment chaude. On s'en s'accroche pas. Les pneus sont froids aussi, bon, fin du warm-up. C'est parti donc pour la race. Des stands, sera peut-être moins risqué. Ou éventuellement, je les laisse passer dans la ligne droite. Allez, laissez passer dans la ligne droite. Soit ils partiront tellement comme des fous furieux, à mon avis, comparé à moi, que. Nous dépasserons assez facilement. Mais il est là avec Allez, il me reste encore, il ne veut pas passer celui-là.
Déjà un drapeau jaune. C'est déjà planté devant. On voit qu'il y en a qui la connaissent bien quand même. Ça attaque. C'est un beau circuit, vraiment vraiment un beau circuit. On va pouvoir profiter un peu du paysage hein, étant donné qu'on va pas aller chercher le résultat. Hein. Bien chercher le minimum d'X possible pour obtenir la licence A. Ah, c'est vraiment un très très joli circuit. En plus, là, avec le petit coucher de soleil sur la piste, c'est très agréable. Voilà, le premier carrousel. Presque sûr que la plupart des virages qui se passent à fond, mais dans le doute de prendre des incidents, on va y aller tranquillement, pas passer loin ici.
Des chances que le premier arrive à me claquer un tour. Celui-là, hein. Clairement, c'est la promenade du dimanche. Beaucoup de déconnexions quand même, donc on va pouvoir gratter quelques places. Sans compter ceux qui ont vraiment cassé, qui ont resté des heures et des heures. Des minutes et des minutes au stand. On arrive sur la grande ligne droite pour en piquer un petit peu. On va peut-être le laisser passer. Et alors plus rapide, on va le laisser profiter. Il est comme moi, je pense. Il est tranquillou. Ah oui, il est vraiment comme moi. Il est tranquille, tranquille. Mais il a l'air de quand même la connaître un peu mieux. Hein. Afficher le delta 9 minutes 12 le premier tour, hein. C'est quand même une minute moins rapide que les autres. C'est à dire que le premier m'a déjà collé quasiment une minute, si ce n'est même plus. Mais on rentre la voiture avec 0x sur ce premier tour, c'est l'objectif. On reste encore, allez, je dirais 3 comme ceci.
vraiment en total décontracte là, c'est profiter, prendre du plaisir, limiter les X, bah pour cette licence. Je vais le répéter, mais cette licence elle m'est très importante pour faire les endurances ILMS, endurance de 6 heures du coup, en LMP2, GTE ou LMP1. Mais on sera plus axé, je pense, sur de la GTE, de la LMP2. Je sais pas pourquoi j'ai freiné ici. Il n'y a pas de danger. Quasiment à l'arrêt dans chaque virage, mais c'est cool, on profite du paysage. Quand même pas mal de virages aveugles. Ça me semble quand même assez large. Et ben c'est le seul moment où je pense qu'on sera pied au plancher de cette piste, hein, cette ligne droite. On a réussi à gagner des places, hein, 18ème, sans rien faire.
Bah, à vrai dire, plus on tourne et plus on se sent à l'aise quand même. Bon, de là à faire l'endurance, peut-être pas. Mais ouais, on quitte les tours, franchement. Je pense qu'il y a moyen de au fur et à mesure de continuer d'apprendre et de descendre bien les chronos. Elle me fait super peur ici là sur la crête. J'ai peur de la perte de l'arrière. On arrive à 13 joueurs à ce niveau-là. Ouh là 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 là, non, ça fait peur un petit peu. Elle est vraiment monstrueuse. C'est un pur régal. Très très dur. Ça c'est sûr. Il rentre maintenant au stand, je suis à peine dans le premier carrousel. Pour vous dire à quel point je prends cher. Ouais, elle était tentée de partir de l'arrière.
Alors encore une déconnexion. On va regagner encore une place gratuite. Ah non, il me semble que c'est celui qui était derrière. Oh mince. En vrai, le décor est tellement sympa que les tours partent super vite. Pas l'impression de subir le circuit, entre guillemets. Même si on le subit, hein, sincèrement, on n'est pas du tout au point dessus. Mais il est très agréable. Pour l'avoir roulé pas mal sur Gran Turismo Sport, il est plus agréable ici. On ressent vraiment la piste, on a l'impression de s'y croire en vrai. Alors, où est-ce que sont les pit stops? Ah, là, ben, nickel. Ok. Oh, il était là. Oh, je l'avais pas vu. Allez, recule. Moi, puisqu'ils sont beaucoup plus loin. Même dans cette partie-là, qui est quand même relativement connue, hein, partie du Nürburgring GP, j'ai peur de la perdre. Vraiment.
Ouh, joueuse, 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 cette pêche de 10. Descends de là, le vibreur il est trop haut, j'aime pas. Là, mais ça fait deux fois qu'ici je me fais des frayeurs. Une enduit de 3 heures là-dessus, ça doit tuer à la fin de la course. Ça doit être carbonisé. Je serai en mode court, je me régalerai aussi, mais franchement, j'ai réellement peur de louper ma licence, donc on va pas trop ouais, je vais faire peut-être deux courses maximum pour avoir cette licence. Ah, du coup, ah, bah tiens, il va faire le malin, il s'est planté, où est-ce qu'il est du coup? Ok, il est là. On fait pas l'idiot, on marche arrière.
déjà la ligne droite, pouf, j'ai même pas vu le tour passer. Allez, dernier tour à tenir, pas d'erreur, et on arrivera au résultat final, et donc on saura enfin si cette licence est acceptée et validée. Non, je me suis mal pris. Oh là là. Alors là, je suis vraiment idiot pour le coup. Lost of control 2x. Ok, donc j'ai clairement pas perdu le contrôle de ma voiture. Je pense que ces 2x vont me coûter cher. Vraiment, à mon avis. Ah là, je suis clairement dégoûté hein, pour ces 2x cadeaux, parce qu'ils sont cadeaux hein. Ils ont été mis gratuitement, parce que je pense pas avoir perdu le contrôle de ma voiture pour le coup. J'ai juste oublié de freiner, j'ai pas pris de mur, rien pris, mais je prends 2x pour perdre le contrôle. J'ai un petit peu en travers de la gorge celle-là.
le retour qu'elle a eu, il était magnifique, j'ai kiffé le bruit là. Oh non 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 non. Oh non, le track, le contact contre le mur, la voiture cassée. Pfff. Oh là là, je fais les erreurs maintenant alors j'ai tout bien géré. Tout ça parce que je suis gourmand. Oh non, pff, on va galérer avec la voiture cassée en plus. Oh là 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 là, ça va me coûter une deuxième course. Hein. Ah, je suis dégoûté. Ah, clairement, on avait fait le taf. Mais bon, que serait le North Life sans un accident? Oh. Il y en a déjà qui ont fini visiblement. Alors déjà qu'on était parapluie mais avec le dégât. On l'a encore moins. Avec un peu de chance, c'est des pilotes qui étaient devant moi et qui n'ont pas fini la course. Si on perd pas d'hier, on en gagne. Ce serait encore mieux. Ah bah, en parlant de ça, le P15 est derrière moi. Ouais, mais du coup, je perds une place de la P16, donc du coup, je passerai P16, je reviendrai P16. Ok. Ok, ok, ok. Je l'ai perdu encore une fois sans rien demander. J'étais tout calme. Ah, je sais que j'ai des dégâts sur les roues, j'en ai même sur les deux si tu veux. Je me demande comment j'ai pu la perdre ici. J'avançais pas. J'étais pire. Ouf. Oh le volant. Oh le volant il est dans un état. Mon 6x sur la totalité du tracé. Bon en avançant pas c'est beaucoup. Le deuxième carrousel donc, dernière partie du circuit, on va pouvoir enfin être libéré, clairement. J'espère que ça me coûtera pas trop cher cette histoire. Maintenant, comme j'ai plus de voiture,
On y est, on est arrivé. Ouah, on est dans un état. Je suis dégoûté. P16, on se tire bien. Sur vraiment bien. Pas mal sur le bon mauvais quand même. Mine de rien, quand je vois tout derrière moi, un tour, trois tours, quatre tours, elle a pas mal sur un bon mauvais. Attends, mais pour moi. Ben voilà. On va clôturer là-dessus, puis ben, si besoin, il y aura un deuxième live en sur les alentours de 21h pour refaire une tentative de licence A si besoin. Allez, ciao.